Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous en ce jour, en cette heure sur la Terre, en cette saison qui est là, quelle que soit la saison en fonction de l'hémisphère dans lequel vous êtes à cet instant, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit en fonction des fuseaux horaires, sur cette belle Terre toute ronde qui tourne dans l'espace sur son axe. Bonjour et bienvenue. Et de cœur à cœur, mon intuition me souffle de faire un tirage à partir du jeu de l'entraide aujourd'hui pour avoir des clés pour ce jour, ces jours qui sont là, ce jour qui est là. Et du coup, depuis quelques instants, je suis branchée à nous, à nos cœurs, pour que nous nous offrions quelque chose qui peut résonner avec notre vie, avec nos projets, avec nos aspirations. En même temps qu'il y a un chien dehors qui aboie, c'est pour lui aussi, c'est pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui sont là à cet instant, qui seront là dans quelques instants, et c'est pour vous qui visionnez ce moment, même en différé. C'est toujours actuel. Le moment présent est là de façon intemporelle. À chaque fois, c'est le présent. À chaque fois, c'est l'instant présent. Et du coup, donc en pensant à nous, voilà. Dans le jeu de l'entraide, donc je découvre la carte avec vous. Donc j'ai compris qu'il fallait pas que je parle trop quand j'approche la carte. Sinon vous m'entendez plus. Cette carte nous propose, parle aux gens que tu croises. Fais alliance avec toi. Saisis les opportunités. Tu es à la hauteur de ce que tu proposes. Élabore une stratégie efficace et perspicace. Change d'habitude, c'est possible. Et puis, ça me fait penser que cette carte, elle a déjà été tirée là, il y a quelques semaines. Il y a peu de temps. Alors, mon cœur me souffle d'en tirer une autre. Voilà, déjà ça, et puis on va en tirer une autre. D'accord? Ok? Comme ça, on va avoir le double choix. Et la carte qui arrive. La carte de proposition, donc extraite du jeu de l'entraide. Waouh! Allons-y gaiement. Donc, là, ce qui est important de nous souvenir, c'est d'arrêter de nous comparer. Et de penser à nouveau, encore et encore, à rire de bon cœur. Et puis de vivre davantage le moment présent, qui est toujours là à chaque instant, et d'être plus heureux, audacieux, audacieuse. L'important aussi, ce qui nous est proposé, c'est de trouver des alliés, de nous faire un programme et. Oui, d'orienter notre regard sur les qualités, sur nos qualités et sur les qualités de ce qui est là autour. Qualité des lieux, qualité des gens, qualité des informations, qualité des activités, qualité de tout ce qui est là. En nous faisant un programme, en trouvant des alliés, en étant plus audacieuse, en vivant davantage l'instant présent, quel qu'il soit, quel que soit notre climat intérieur, quel que soit le climat à l'extérieur de nous, de vivre l'instant qui nous offre un cadeau. La vie nous offre des cadeaux, même derrière des situations qui peuvent être anxiogènes ou délicates, et de rire de bon cœur en arrêtant de nous comparer. En arrêtant de nous comparer. Alors, je vous propose un petit exercice en même temps qu'il y a ces clés qui sont là. Hein, ces clés. Là, il y a la clé ride bon cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice. L'idée, c'est de rire dans notre tête. L'inconscient ne fait pas la différence entre
le rêve et la réalité, et puis ce qui se passe à l'intérieur de nous a un impact sur nos cellules, sur notre état intérieur. Alors, je nous invite intérieurement, les yeux ouverts ou fermés, à rire intérieurement. Alors, les yeux ouverts ou fermés, de nous rappeler peut-être la dernière fois où nous avons ri de bon cœur. Ou alors, d'entendre quelqu'un rire de bon cœur en nous souvenant de quelqu'un qui sait rire de bon cœur ou qui a ri il n'y a pas longtemps de bon cœur. Réactualisons un souvenir ou créons de toutes pièces nous en train de rire de bon cœur. Ou alors créons de toutes pièces l'image, l'imagerie mentale, notre représentation intérieure de quelqu'un en train de rire de bon cœur, nous en train de rire de bon cœur. Osons jouer avec notre télécommande intérieure, osons jouer avec notre imagination créatrice. Entendons, nous ou quelqu'un d'autre, rire de bon cœur à cet instant. Le passé, le futur sont là aussi à cet instant. Alors, soit on réactualise, soit on crée ce moment. On peut même imaginer, soit nous, soit quelqu'un en train de rire de bon cœur. Nous pouvons même, intérieurement, sur la voyelle A, rire intérieurement avec la voyelle A. Riez de bon cœur à l'intérieur de vous en émettant intérieurement la voyelle A, comme si vous riez avec la voyelle A. Et puis la voyelle E, rions de bon cœur intérieurement, entendons-nous intérieurement. Même si le sourire n'était pas là en arrivant. Voilà, avec cette intention, utilisons notre mental, utilisons notre voix intérieure à notre service. Et puis, avec la voyelle I, je suis là avec vous, vous êtes là avec moi, on s'amuse, on crée ensemble ce moment, ça rebooste l'énergie à l'intérieur, ça transforme l'énergie aussi. Alors, sur la voyelle I, rions intérieurement. Lançons le i. Voilà, continuons. Et puis la voyelle O, testons avec la voyelle O. Oh, j'avais pas ce sourire hein, quand je suis arrivée là. C'est une atmosphère agréable, mais bon, ce dialogue intérieur, cette création, vous êtes en train de vous rebooster vous-même si vous le faites avec moi. Oh, 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 oh. C'est le haut du Père Noël aussi. Oh, oh, oh. Ah. Le U, la voyelle U. Allons-y avec la voyelle U. Utilisons le rire. Forçons-nous si ce n'est pas là. Allez-y, allez-y. Moi, ça me fait rire. Oui, il est sympa cet exercice. Bonjour Emmanuel. Il est très sympa cet exercice. Ça rebooste automatiquement l'énergie. On a vraiment un impact sur ce qui se passe en nous, vraiment, fondamentalement. Rien qu'avec ces petites lettres, ces petits sons A, E, I, O, U. Ah, et puis, voilà, choisissez celle qui vous convient maintenant. Et de toute façon, vous pourrez continuer après, bien entendu, après qu'on se soit quitté là. Et vous pourrez refaire cet exercice où que vous soyez, bien entendu. C'est aussi un exercice qui est dans mon bouquin, 5 minutes par jour pour méditer, être vraiment là. Voilà, mais j'avais envie de vous le partager. Enfin, ça m'est venu spontanément ici. Donc, je remets les deux cartes pendant que vous continuez, si vous le voulez bien. À rire à tue-tête en vous et sentez l'impact sur vos cellules. Ah,
Voilà. C'était un tirage pour aujourd'hui et je vous souhaite le meilleur. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. C'est la pleine lune. C'est aussi le jour du Vésak. Alors je vous souhaite pour ces heures qui sont là et pour ces jours à venir tout le meilleur avec l'accompagnement du son des voyelles à l'intérieur pour que nos consonnes vibrent tout ce qui est important et bon pour nous. Pour concrétiser tout ce qui est en cours et à venir. Je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. De mon cœur à votre cœur. Ciao. À bientôt, hein. Ciao.